Et l'homme qui attend est un homme dangereux. C'est le chinois Huang Yuedong. Pour cette finale du cheval d'arçon, parce que Yuan Wandong, on va l'appeler Huang. Voilà, Belinqui 9600. Et il est quatrième. Je vous rappelle le classement de cette finale championnat du monde pour l'instant. Premier le roumain Urzica, deuxième le français Eric Poujade, troisième le suisse Li Donghua, quatrième Belinqui. Voici donc ce chinois qui peut encore perturber la hiérarchie de cette finale. Attention, ce sont des spécialistes les chinois du cheval d'arçon. On apprécie particulièrement leur ligne, ils travaillent très à plat et c'est très important. Oh, les entrées riches sur un arçon ici maintenant, goût du cheval. Oui. Il attaque son travail en surmasse, oui, belle montée à l'équilibre et enchaînement direct. Il fait fort, voilà. Il fait fort. Ah oui, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Tous les Thomas. Ah, il a mis le maximum de possibilités qu'il avait. Oh là là, une finale très très relevée. Oh là là. Il va jusqu'au bout et il va monter. Sans problème. Il lance. Ouh, quelle déception pour lui. Emmener le mouvement jusqu'au bout comme ça. C'est terrible. Terrible ce qui se passe pour Huang Yuedong. Rendez-vous compte, il avait réussi les plus belles prouesses qu'on avait jusque-là pas vues. Des grands thomas, des grands cercles, les voici. Et voilà, et au moment de faire son appui tendu renversé. Pour sa sortie. Pour sa sortie. Une hésitation, une interruption de rythme. Oh là 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 là. Alors là, ça va être sacrément... Et le Suisse et le Chinois, enfin deux Chinois qui se parlent.